Ici, on est sur les vignobles Günther Chérault. C'est un domaine familial dans le Muscadet Sèvres-et-Maine, avec des parcelles qui sont réparties sur 3 communes. Ici, on est au château du Coin, sur la commune de Saint-Fiacre. On a aussi des parcelles à Gorges, avec le château de la Gravelle, et également à Monnières, avec la Cormeraie. En tout, on a 75 hectares. Voilà, et on ne fait que des blancs, on ne fait que des muscadets, un tout petit peu de chardonnay et un tout petit peu de folle blanche également. Donc l'idée, c'est certes monocépage. Principalement, on ne travaille vraiment qu'avec du melon de Bourgogne. Mais c'est de mettre en valeur les différents terroirs qu'on peut avoir, soit sur les différentes communes, mais aussi des terroirs qui sont différents, qui sont dus à des pentes, des expositions et donc des sélections parcellaires différentes. À savoir qu'en fonction de l'âge des vignes, en fonction des coteaux, en fonction des terroirs, donc j'ai cité le gneiss, le gabbro, le micaschiste, on va avoir des typologies différentes. Alors ici, le gneiss au château du Coin, ça va faire plutôt des vins qui vont être sur le côté minéral, mais floral également. En général, c'est assez élégant. Sur Gorge, on est sur des vins qui sont un petit peu plus tendus, vraiment sur ce qu'on appelle la minéralité, à savoir vraiment le côté pierre à fusil, citronné, parfois un peu pétrolé aussi, et beurré quand ça se garde. Et puis sur la Cormeraie à Monnières, là les micaschistes apportent beaucoup plus de chaleur et de fruits, un peu plus fruits blancs ou jaunes. On travaille depuis, j'ai envie de dire des décennies, avec des partenaires qui peuvent être la Scandinavie, qui peuvent être le Japon, qui sont aussi les États-Unis, l'Europe du Nord. Donc voilà, on recherche en fait aussi un contact humain et une belle rencontre pour vraiment travailler dans le même sens la promotion de nos muscadets. On est vraiment dans une dynamique commerciale export, on passe sur les salons, notamment Provine, le salon des vins de Loire, mais on fait aussi Wine Paris, Millésime Bio. On vous attend au domaine. En fait, quand on vend du muscadet, vous voyez ici nos terroirs avec les pentes, les expositions. Ici, on est à côté du confluent, ce qui favorise donc ces coteaux, exposés sud entre autres. Ça vous permet de comprendre un petit peu l'histoire du vignoble nantais. Voilà, on vend tout ça en fait dans une bouteille. On cherche vraiment à rencontrer nos clients.